إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام إخواني أمهاتي أخواتي يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله في القرآن العظيم القرآن اللي هو كنز لنا أيها الإخوة ونسيناه C'est vraiment un trésor que nous avons, le Coran. Mais que nous avons... وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا يقول ابن القيم هجر القرآن قد يكون بهجر تلاوته Comment on peut s'éloigner du Coran? On peut s'éloigner du Coran par le fait de ne pas le lire régulièrement, par le fait de ne pas le méditer, mais par le fait de simplement de ne pas appliquer ce qu'il y a dans le Coran. Si on n'applique pas ce qu'il y a dans le Coran, فقد هجرنا هذا من الهجر. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية 109 و110 الآية 109 110 de سورة البقرة dit ود كثير بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين من بعد ما تبين لهم الحق زين فاعفوا واصفحوا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير بعدها وش يقول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير الله سبحانه وتعالى يقول نوم des gens du livre souhaiteraient ou aimeraient vous rendre kuffar, des mécréants aimeraient par jalousie de leur part, pouvoir vous rendre mécréants après que vous ayez cru et après que la vérité s'est manifestée à eux. Alors pardonnez et oubliez. Pardonnez et oubliez jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala fasse venir son commandement. Juste après, qu'est-ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala ? Wa aqimu s-salata wa atu z-zakat. Allah est très certainement omnipotent. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Et juste après, il nous dit et accomplissez la prière et acquittez la zakat. Et chaque œuvre que vous faites, et chaque œuvre, chaque chose que vous faites pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour vous-même en fait. Quand vous acquittez la zakat, c'est pour vous-même. Et quand vous accomplissez la prière, c'est pour vous-même. Ya ayyuhan nas antum al-fuqara ila Allah, wallahu huwal ghaniyyu al-hamid. In yasha yudhhibkum wa yati bi khalqin jadid. Vous êtes les pauvres, vous avez besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nas, tout le monde, nous tous, nous avons besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Si vous lisez l'ayat, ajib, le Coran. Wa ka'annahu al-ana nazal. Comme si le Coran est descendu aujourd'hui. Quand certains nous demandent de revoir certains versets du Coran. Oui, on va les revoir. On va essayer de les comprendre comme il faut. Pour te faire plaisir, tu vas voir. On va essayer de les comprendre comme il faut. Quand des gens nous demandent de changer de nom, de changer de prénom, quand des gens nous demandent de ne pas lire ce Coran, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ Ceux qui ont écrit, ils ont dit, n'écoutez pas ce Coran, et dites de futilité quand il est récité, لَحَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ Peut-être que vous auriez le dessus. Ceux qui ne savent pas, ces gens-là, يُهَا الْإِخْوَى نَوْ يُحَرِبُونَ اللَّهِ وَيُحَرِبُونَ كَلَامَ اللَّهِ فَلَوْ زَعَمَ زَعِمٌ Si peut-être quelqu'un pense un jour que tous ceux qui ont appris le Coran disparaissent, Allah subhanahu wa ta'ala sayunbitu min al-ard man yahmilu kitaba. Allah va sortir de terre des gens qui portent ce Coran dans leur cœur. Nous sommes la seule nation, les musulmans, qui porte le cœur, qui porte dans son cœur le livre d'Allah par cœur, ayyuhal ikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, certains gens, des gens du livre, souhaiteraient vous rendre mécréants. Pourquoi? Juste par jalousie. Hasad min 'indi anfusihim. Pourquoi? Parce qu'ils savent que vous êtes sur la vérité. Mais si vous êtes au grattage et si vous êtes au tabac, ça ne les dérange pas.
Mais par contre, si vous appliquez ce que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu, ça, ça les dérange. Parce que innaka 'ala al-mahajjati al-bayda hasadan min 'indi anfusihim. Qu'est-ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qu'il nous dit? Prenez les arbres. Fa'fu wasfahu. Quand certains nous disent que votre Coran il appelle à la haine, astaghfirullah. Allah subhanahu wa ta'ala dit fa'fu wasfahu. Pardonnez et oubliez. Par contre, pardonnez et oubliez. Par contre, pour faire face à l'adversité, ne multiplie pas les débats, c'est pas la peine. Pour faire face à l'adversité, laisse-le parler. Mais toi, fais. Fais. Jumla ismiya. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa aqimus salat wa atuz zakat. Jumla fi'liya, pardon. Après le jumla ismiya. Wa aqimus salat wa atuz zakat. Accomplissez la prière et acquittez la zakat. Accomplissez la prière, c'est un droit vertical. C'est un lien vertical avec Allah subhanahu wa ta'ala. Acquittez la zakat, c'est un droit des gens sur moi, sur nous. C'est le droit de la société. Ummuna Aisha radiallahu anha, quand elle sortait un dinar, elle le parfumait. Fasa'alaha ahad al-sahaba, ala lima tfa'alina hada ya umm al-mu'minin, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu parfumes le dinar? Qalat li anna sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna sadaqata taqa'u fi yadillah qabla an taqa'a fi yadil faqir. La sadaqa, elle tombe dans la main de Dieu avant qu'elle tombe dans la main du pauvre. Allah subhanahu wa ta'ala dit aqimus salata wa atuz zakat. Accomplissez la prière. Wa'lamu anna khayra a'malikum 'inda Allah. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit sachez que les meilleures œuvres que vous pouvez faire Allah pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? Iqamatus salat. Billahi alaykum, kayfa yuflihu insan la yusalli. Billahi alaykum, fil adhan hayya 'ala as-salat, hayya 'ala al-falah. As-salat silatun billah. As-salat, c'est un rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu peux laisser un rendez-vous avec le créateur de l'univers? Personne ne connaît la valeur d'Allah subhanahu wa ta'ala exactement. On est tellement petit devant Allah. Et Allah, il nous convoque, il nous dit, venez, venez pour gagner ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a préservé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu accomplis la prière et tu acquittes la zakat, Allah, il te préserve. Ya ayyuhal ladhina amanu, taqullah. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله فجعل العمل الله سبحانه وتعالى جعل العمل الى من يزور ce que nous allons produire بين تقويين اتقوا الله craignez الله faites des choses et derrière craignez الله aussi. Pourquoi? لان الله يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. فإقامة الصلاة إقامة المجتمع وإقامة الزكاة إقامة المجتمع. إذا أخرجنا الزكاة celui quand on sort la zakat, إذا أخرج الصيدلي le pharmacien sort sa zakat, le médecin sort sa zakat, l'avocat sort sa zakat, le maçon sort sa zakat, chaque personne qui a une activité sort sa zakat, vous allez voir comment le mujtama, comment sera la société. Non seulement elle a un effet zakat, elle a un effet économique sur la société. Zakat tadfa'u riba, al-faqir la yadhhabu ila al-bank. C'est pour ça que les lobbies des banques, ils n'aiment pas le discours qu'on est en train de dire. Ils n'aiment pas que les musulmans se réveillent et qu'ils mettent zakat en pratique. Parce que zakat, qu'est-ce qu'elle repousse? Elle repousse le riba. Elle repousse la faillite et le faqr. Vous savez, la seule société, je dis société, la seule société qui n'était pas en faillite en 2008 après les faillites des grandes banques aux États-Unis, vous savez laquelle? C'est l'Allemagne. Et vous savez pourquoi? Parce que les Allemands, ils ont la culture du l'iddikhar, la culture de laisser de l'argent de côté, mettre de l'argent de côté et de ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Le crédit tue la société, ayyuha al-ikhwa. Et quand tu as un crédit, on te tient par les deux bras. Quand tu as un crédit et que tu ne peux pas t'en sortir, eh ben tu vas travailler, surtout tu vas travailler, tu vas accepter les conditions de travail déplorables et surtout tu ne vas rien dire. Zakat, elle pousse, elle repousse tout ça. الزكاه ترفع الفقير. الله سبحانه وتعالى يدي في القران خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. الله سبحانه وتعالى يدي في القران prends de leur argent une sadaqa. Et vous avez le terme en arabe sadaqa من الصدقه لان الصدقه برهان. البرهان c'est en arabe ce que c'est le burhan, c'est le rayon de soleil à midi qui tombe sur la terre verticalement comme ça. Burhan de quoi? Burhan li sidqi qalbik.
Burhan de ce que tu as dans ton cœur. Burhan sidqun bi anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa ar-Razzaq. Ar-Rasul sallam dit ma naqasa wallahi ma naqasa mal min sadaqa. Quand tu donnes ta zakat, le mot zakat veut dire quoi? Veut dire nama, veut dire développement, veut dire tahara, veut dire purification, veut dire baraka. ولما انقطع المسلمون عن اعطاء الزكاه سلط الله عليهم اعداءه والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث وما منع قوم الزكاه الا ومنعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. Chaque peuple, chaque cité qui ignore la zakat et qui met de côté la zakat et qui ne donne pas, qui ne sort pas sa zakat, Allah subhanahu wa ta'ala il leur coupe les vivres, il leur coupe le qitr min as-sama, la pluie ne tombe plus. Et s'il n'y avait pas des animaux parmi eux, Allah subhanahu wa ta'ala ne ferait pas descendre cette pluie-là. الزكاه ايها الاخوه تقيم المجتمع لنا محطات اخرى ان شاء الله مع الزكاه وسبي الله سبحانه وتعالى دي العاملين عليها. العاملين عليها c'est pas celui qui va rechercher la zakat, c'est pas le service de recouvrement, c'est pas ça seulement. العامل عليها c'est une entité qui récolte la zakat et qui va penser à des projets pour les musulmans, qui va penser à financer les musulmans. الزكاه ايها الاخوه regardez à l'époque de Abu Hanifa, écoutez bien, à l'époque de Abu Hanifa, si quelqu'un a une bijouterie et qu'il a 100 000 euros de chiffre d'affaires et il y a une tempête qui passe ou un tremblement de terre et il perd son commerce, il va présenter son bilan à la commission de zakat. Son bilan c'est quoi? Il faisait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Combien on lui donne de zakat? On lui donne 100 000 euros. C'est une assurance catastrophe naturelle qui existe sur l'islam avant qu'on invente l'assurance catastrophe naturelle pour laquelle il faut cotiser. Sur l'islam, il suffit d'être musulman et de sortir sa zakat. Mais qui nous parle de cette zakat là aujourd'hui? Man yafqahu fiqh al-zakat. Wallah ayyuha al-ikhwa, mujalladat azima fi fiqh al-zakat. La natakallamu anha. نتكلم أن زكاتي نخرجها je la donne à mon cousin, je donne 200 euros à mon cousin et puis voilà j'ai sorti ma zakat. الزكاة ليست هكذا أيها الإخوة. الزكاة برنامج ومشروع, مشروع للأمة, مشروع pour la communauté. Et si on sortait الزكاة أيها الإخوة, si on sortait الزكاة, on n'en serait pas dans l'état de délabrement dans lequel nous sommes. Le problème chez nous أيها الإخوة, dans notre communauté, c'est beaucoup d'ignorance. والله أيها الإخوة يتقطع قلبي. Cette semaine on a été abordé par une association. Une association qui nous a demandé d'intervenir pour des médiations dans les couples. Cette association, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'occupe de médiations dans les couples et dans les couples où il y a de la violence. C'est-à-dire, vous avez compris. Ils me disent, 70% des couples qu'on reçoit sont de confession musulmane. Et le problème, c'est quoi? Le problème, c'est souvent l'ignorance. Souvent, c'est l'ignorance, ayyuha al-ikhwa. Que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme. Alors, on a décidé de travailler ensemble. Mais travailler ensemble aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire apprendre aussi. Ça veut dire se cultiver. Ça veut dire apprendre à lire et apprendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a descendu sur le Coran. C'est ça ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'fou wasfahou. Hatta yati Allahu bi amri. Inna Allah ala kulli shayin qadir. Pardonner, oublier, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala ramène son commandement. Allah est omnipotent. Vous savez ce que ça veut dire, Allah est omnipotent? Celui qui te combat aujourd'hui, demain Allah subhanahu wa ta'ala change son cœur. Et demain, il va agréer ce Coran. لأن الله على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام, توفي il y a 2 ou 3 ans en arrière, il y a quelqu'un qui est un grand écrivain musulman. C'est un docteur en matière de l'éducation qui s'appelle Majid Hassan al-Kilani. C'est un Jordanien qui a fait des études aux États-Unis mais qui m'a alors imbibé de culture musulmane. Il a écrit un livre qui s'appelle Hakada Zahara Jil Salah ad-Din. Lui, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si vous voulez reprendre le Quds, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le djinn il change. Salah ad-Din, quand on parle de Salah ad-Din, c'est pas lui tout seul qui a libéré Jérusalem, non. Salah ad-Din, il y avait un djinn autour de lui. Il y avait une génération autour de lui. Qu'est-ce qu'elle a fait? Aqimu s-salata wa atu s-zakat. Aqimu s-salata, tarbiyat al-awlad.
سنتطرق إلى هذا إن شاء الله. كيف نربي أبناءنا على الصلاة وكيف نربي أبناءنا على حب الله. Comment éduquer nos enfants sur la prière? Comment éduquer nos enfants sur l'amour de Dieu? Et quand tu éduques ton enfant sur l'amour de Dieu, tu n'as pas besoin de le surveiller. Parce que de toute façon, tu ne pourras pas le surveiller. De toute façon, quand ton fils il va au collège, quand ton fils il a 12, 13, 14 ans, tu ne peux plus le tenir, frère. Et tu ne pourras jamais le tenir. À l'heure d'Internet, tu ne pourras jamais le tenir. Qu'est-ce qui pourra le tenir? La taqwa Allah, la crainte de Dieu. C'est ça qui pourra le tenir. Dernière chose, ayol ikhwa. J'ai reçu les frères étudiants qui font des colis alimentaires pour des étudiants et des pauvres ici dans la cité, ici à Aix. À la fikra, d'autres frères sont venus me voir en nous disant « Donnez-nous la liste de ces pauvres-là. » Non, frère, je dis. Tu dis les jeunes, et ils sont mis en galère, ils ont mis un projet de distribuer des colis alimentaires. Le pauvre va le chercher. Si chacun il reste chez soi, il me dit « Moi, je ne connais pas le pauvre. » Oui, c'est sûr, si tu restes chez toi devant ta télé, tu ne connaîtras pas le pauvre. Mais si tu bouges un peu, si tu vas dans les cités universitaires, si tu vas dans les foyers sur la côte, tu vas voir ce que c'est la pauvreté. Si tu vas dans les hôpitaux, tu vas voir ce que c'est quelqu'un qui est malade et qui n'a pas les moyens. Si tu bouges un peu, mais il faudra que tu bouges. Et c'est ça le mujtama al-muslim. Donc les frères, ils ont fait des colis. Et ils vont voir les frères. Vous savez qu'il y a des frères qui mangent des pâtes tous les jours parce qu'ils n'en ont pas. Parce qu'il reçoit 500 euros de son frère. Avec les 500 euros, il paye 400 euros de loyer, il lui reste 100 euros pour tenir le mois. Il lui reste 100 euros pour tenir le mois. Peut-être que des gens vont dire que j'exagère. Wallah, ayol, ikhwa. Moi, j'ai vu de mes propres yeux des gens qui ne mangent pas pendant 2 jours, 3 jours. La ilaha illallah. Et quand des gens viennent te voir et te disent, moi, je ne connais pas les pauvres. Ah ouais? Et ils te disent, est-ce que je peux envoyer des zakat au bled? Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a des pauvres au bled. Mais il y a aussi des pauvres ici, les frères. Il y a des étudiants qui viennent de loin, qui n'ont pas de bourse. Allez les voir dans quel état ils sont. Ces shababs, ces jeunes, ils vous demandent juste une chose, ayol ikhwa. Il y a un panier là-bas, à l'entrée. Ils ne vous demandent pas d'argent. Ils vous demandent des produits alimentaires. Ce que vous pouvez. Des pâtes, des pois, des petits pois. Ce que vous pouvez. Donnez-les. On les donnera aux pauvres. Allah subhanahu wa ta'ala, yaktubu lakum al-hasanat, inshallah. Inna fi kitabi azizil muqtadir. Ayol ikhwa, ja'ani akh. أمه إلينا تاكسي غفران ندمون الدعاء اللهم شافيها واعفو عنها يا رب العالمين اللهم شافيها شافي أمنا فاطمة يا رب العالمين واعفو عنها واغفر لها يا رب العالمين اللهم اشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض اللهم ارفع الضر عن إخواننا المسلمين في سوريا وفي الشام وفي اليمن وفي العراق وفي ليبيا وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم احفظنا واحفظ هذه البلاد واحفظنا واحفظ أبناءنا في هذه البلاد اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحمنا يا رب العالمين اللهم ارحمنا على الأرض وفوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا رب العالمين اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين آمنين مؤمنين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بركاته